Bon, ça tourne. Ça y est ? Ah, oui. Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, nous n'allons pas cuisiner, mais on va vous montrer des astuces qui vont grandement vous faciliter la vie en cuisine. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons un titre qui résume parfaitement le concept. Les astuces de chef servent à nous faciliter la vie en cuisine. Montrons à nos spectateurs de quoi il s'agit. Commençons par une des tâches les plus pénibles quand on est en cuisine. Non, attends, tu as une astuce de chef pour faire la vaisselle ? Non, je faisais allusion à couper les oignons. Ah oui, les oignons. C'est vrai que c'est une catastrophe, impossible d'en couper un sans se mettre à pleurer, ce qui est vraiment très pénible, ça je te l'accorde. Et j'ai une ruse pour éviter ce désagrément. Placez vos oignons dans le bac du congélateur pendant 15 minutes environ. Voilà, comme ça. On n'a plus qu'à régler notre minuterie sur 15 minutes. On va attendre pendant 15 minutes ? Oui, oui, oui. Et pour passer le temps, on n'a qu'à manger une banane, tiens. Eh bien, moi, j'ai une astuce pour éplucher les bananes. Il ne faut pas l'ouvrir par cette extrémité, mais plutôt par l'autre extrémité. C'est nettement plus facile. Et voilà ! Ah oui, étrange. C'est génial, non ? Quel truc ingénieux. Et d'ailleurs, j'ai une autre astuce qui concerne les bananes. Oh. Si tu veux conserver tes bananes plus longtemps, oui. Il faut entourer leurs tiges avec du film alimentaire. Ça empêche l'humidité de s'évaporer. Du coup, les bananes mûrissent moins vite. Oh, oui. C'est bon à savoir. Ceci étant dit, personnellement, je préfère de loin les fraises aux bananes. Eh bien, il se trouve que j'ai une astuce pour les fraises. C'est vrai ? Oui, parfois on a un petit peu de mal à égoutter les fraises. Cette astuce oui. permet de le faire extrêmement facilement. Tout ce qu'il faut avoir sous la main, c'est une simple paille. On vient placer la paille sous la fraise, comme ça. Oui. Et on appuie tout doucement vers le haut. 1, 2 et 3. Et voilà. Très efficace, cette astuce. Ah oui, très. Ah, ça y est, les 15 minutes sont passées. Il est temps de sortir nos oignons du congélateur. Oui, je vais les chercher. Ah. Et voilà. Oui. On commence par couper la tête et retirer la peau. Voilà. Alors dis-moi Thomas, est-ce que tu pleures ? Non, pas du tout. Pas une larme ? Et est-ce que tu sais pourquoi ? Non. En fait, la substance lacrymogène ne peut pas se diffuser dans l'air quand l'oignon est presque congelé. C'est ça le secret. C'est pour ça qu'on ne pleure pas. Ça fonctionne très bien, comme tu le constates. En effet, voilà une astuce des plus utiles. Si vous voulez revoir une de nos différentes astuces de chef, rendez-vous sur notre site internet. Oui, allez-y. En espérant vous revoir très bientôt. Hey, au revoir.